Good morning, Aleiden. Le tutoriel aujourd'hui, le Nishmat Shalom en Chbiba, Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Mazembat, Esther Zara Bat Mazembat, Shiborti, Shmichel, Noviko, Bossi, Rafouat, Ruth Bat Claudine, Traina, Simcha Bat Mazembat, Bator, Shachol, Israël, si vous souhaitez, vous aussi, des deux, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Douyot, Perek Alef, Mishnah Gimel. Hillel Omer, Melo, Hin Maim, Shouvin, Poslin, Atamikve, Ella, Shechayav, Shalam, Chayav, Lomar, Bilfon Rabo, Veshamay Omer, Tisha Kabin. והחכמים אומרים, לא כדברי זה, זה לא כדברי זה, אלא עד שבאו שני גרנדיים משאר האשפות שבירושלים, וידעו משום שמאיה ואבטליון, שלושה תלוגין מים שאובין פוסלין את המקווה, וקיימו חכמים את דבריהם. On parle dans notre משנה de מקווה. La contenance du מקווה, ou plus précisément, les qualités d'eau et leur contenance de l'eau qui va entrer dans le mikvé. Comment on fait un mikvé d'abord? Il y a deux possibilités, soit ce qu'on appelle un mayan, soit un mikvé. Un mayan, c'est une source d'eau naturelle jaillissante. Ça a un statut bien particulier. On ne va pas en parler dans notre Mishnah du tout. On va plutôt parler de ce qui est un mikvé. Un mikvé, c'est qu'on réunit la shon, les kavot, c'est réunir comme dans le Massé Bereshit, le deuxième jour. Il kavou un mayim. Troisième jour, Ikavu Amaim El Makom Echad Vetera Yabasha, Ikavu Milachon, qui se rassemble, réunissent l'eau. D'accord? Un mikvé, donc c'est un endroit où on réunit de l'eau, ou l'eau de pluie spécifiquement, qui est tombée du ciel, naturellement, qui n'a pas eu d'intervention humaine, qui la transporte. Il faut réunir son dans la Torah, ce qu'on appelle 40 Sein d'eau. On se rappelle des midot, des mesures de la Torah, Eskalav Gudo, je les ai remis de nouveau, Eskalav Gudo, Efa Sea, Kav Log Beitza, on va en reparler, Sea, c'est la Sea, une Sea, ça fait l'équivalent de, non, je ne l'ai plus écrit ici, excusez-moi, voilà, ça fait l'équivalent de 24 logs, vous multipliez par ça par 6, pour savoir le nombre d'œufs, histoire d'avoir une idée un petit peu par rapport à des notions qu'on connaît un petit peu. Ça fait, je ne l'ai pas écrit ici, concrètement, un mikvé doit contenir, selon les mesures, je ne sais pas si vous avez déjà étudié des sougiot, si vous avez déjà parlé des mesures de la Torah, il y a deux manières de calculer, soit ce qu'on appelle selon Rav Chaim Nahé, soit selon Chazonish. Là, en général, ça se joue sur quelques centimètres, quelques millilitres supplémentaires, mais quand on va se mettre à parler de 40 CA d'un mikvé, ça doit faire une différence énorme, que selon Rav Chaim Nahé, alors il va falloir avoir 331 litres d'eau, 331,8 litres d'eau de pluie, tandis que selon le Chazonish, il va falloir atteindre 576 litres. Ça provient du fait que l'œuf, la Beitza, selon le Chazonish, c'est 100 millilitres de volume, et selon le Rav Chaim Nahé, c'est 57,6, donc on est presque à la moitié de ce fait, lorsqu'on va atteindre 40 CA, on va se retrouver avec une différence énorme qui fait presque le double finalement, 331, 576, ça fait une grande différence entre les deux. En tout cas, concrètement, donc il faut réunir, disons, on va sonder sur Rav Chaim Nahé, alors ça va nous faire 332 litres d'eau de pluie. 332 litres d'eau de pluie qu'il faut donc réunir dans un bassin. Et il y a une halakha d'abord, qu'il faut général, le Maïm Sheouvin, de l'eau qui a été puisée littéralement, mais pas forcément puisée, simplement dès que l'eau elle est entrée dans un ustensile, alors elle provient plus directement du ciel. Il y a eu ici la main humaine qui a intervenu, l'eau devient inapte à construire un mikvé. C'est un issur des Rabbanan, ça s'étudie dans Masechet Mikvaot, une des Masechet de Taharot, c'est Masechet Mikvaot, on ne va pas allonger sur le sujet. Concrètement, on n'a pas le droit de remplir un mikvé en apportant même de l'eau de pluie avec, on va prendre une bassine, on va aller la chercher, parce que dès que l'eau elle arrive dans la bassine, ça s'appelle des Maïm Sheouvin, c'est de l'eau qui a été puisée. Le simple fait qu'elle soit rentrée dans un ustensile, elle est plus naturellement, elle tombe du ciel. On a moyen de déplacer de l'eau qui tombe du ciel, mais pas par des ustensiles. Il y a plusieurs techniques. Pour fabriquer des tuyaux de mikvé, c'est toute une histoire. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un tuyau qui va pouvoir contenir, sinon on va rentrer dans le problème de Maïm Sheouvin. Il y a plusieurs halakhot, ça c'est très intéressant, sujet très intéressant. Ça va parler dans le Shulchan Aruch, Yorodea, Siman Rechalef, Rajbet à peu près. Maintenant, concrètement, donc, il ne faut pas que l'eau entre dans un ustensile. Maintenant, cet interdit n'est que des rabanan. C'est assez complexe, il y a des situations de raïta, mais en général, l'interdit n'est que des rabanan. Soit, c'est vrai qu'on a dit qu'il fallait 40 CA
de la Torah, donc 332 litres d'eau de pluie de la Torah. Mais en réalité, selon la Torah, si on avait moins que la majorité d'eau, c'est-à-dire si on avait la majorité d'eau de pluie de ces 332, d'accord, ça fait l'équivalent de 166, plus ou moins, 166, 67 litres d'eau de pluie, eh bien on aurait le droit, selon la Torah, d'ajouter de l'eau puisée, même de l'eau qu'on amène avec des ustensiles. Ça, c'est selon la Torah, parce que la majorité du mikvé, elle est d'eau de pluie, donc l'autre eau qu'on va rajouter, elle va s'annuler avec elle. Maintenant, malgré tout, Chachamim, ils sont venus, ils nous ont dit, non, on n'ajoute pas une quantité importante d'eau puisée dans un mikvé, tant qu'on n'a pas atteint les 40 CA. Dès qu'on a atteint les 40 CA, les 332 litres, selon Chazonich, 576 litres, alors on a le droit ensuite de rajouter même une quantité phénoménale d'eau puisée, parce que le mikvé est kasher, et dès que l'eau puisée va rentrer dans le mikvé, elle va devenir elle aussi kasher, par le simple fait de toucher l'eau de pluie. D'accord? Elle rentre dans un mikvé. Une fois qu'on a rempli la quantité d'un mikvé, donc kasher, on a le droit d'en jeter autant d'eau qu'on veut. Ça vous intéresse même? À l'époque, pour nettoyer les mikvot, ils avaient deux bassins. Dans un premier bassin, il y avait de l'eau de pluie. Et on remplissait de la quantité, on remplissait l'eau, on le faisait déborder dans l'autre bassin. On le fait encore aujourd'hui, bon, il y a des techniques. Et puis quand on fait transvaser par l'autre bassin, alors l'autre bassin maintenant il devient kasher. Ensuite, on vidait le premier, et après on remplissait le deuxième, on revenait sur le premier. C'était des techniques, un shoot ratam sofer qui explique comment ça se faisait dans le shoot ratam. D'accord ? On revient maintenant sur notre sujet. En tout cas, notre problème maintenant, tant qu'on n'a pas atteint la quantité de 40 CA, 332 litres ou 576 litres d'eau kasher, alors il ne faut pas ajouter de quantité importante d'eau puisée. C'est quoi la quantité importante? Il y a dans notre Mishnah trois mesures. On va les dire d'abord, on va les présenter. De la plus petite à la plus grande mesure permise. Selon Chachamim, c'est ce qui va être retenu à la halakha, on n'aura pas le droit de rajouter trois logs. Regardez le log. Un log, c'est 6 beitza, ça fait l'équivalent de 18 œufs. Si un œuf, selon Rav Chaim Ney, c'est l'équivalent de 557,6 millilitres, d'accord? Donc, un log, ou bien si on va faire plutôt trois logs, je l'ai écrit ici, excusez-moi, je le retrouve tout de suite. Un log, ça fait 172 centilitres, d'accord? Ça fait l'équivalent plus ou moins de, je sais pas moi, plus ou moins un 600 millilitres. Dès qu'il va y avoir une quantité de 600 millilitres, d'eau puisée qui va tomber dans un mikvé, le mikvé va devenir pas soul, même moins que ça en réalité, j'ai arrondi à la supérieure. D'accord? Le mikvé devient pas soul, ça c'est selon l'avis. Trois logs. L'avis de Chachamim, c'est ce qui va être retenu à la fin. Maintenant, sur ça, l'avis un peu plus strict, c'est l'avis de Hillel, c'est le premier avis qu'on va voir, qui va nous dire c'est une mesure de un hin. Un hin, il n'est pas écrit dans le moyen mnémotechnique, parce que nous on a juste la effacée à Kavlog. En réalité, le hin, il se trouve entre la CA et le CAV. Le HIN correspond à 12 logs, ou bien à 3 CAV. Il aurait dû être entre les deux, en fait. C'est un HIN dans la Torah, quand on lit les Korbanot, au Shlishit HaHIN, Revit HaHIN, c'est une quantité de... une mesure de volume dans la Torah, où on apportait avec au Beth Amikdash, on donnait du vin ou de l'huile au Misbeach, on versait, quand on faisait une Mincha, ou bien on donnait du vin, tout simplement, c'était les Nisuchim, les oblations de vin. D'accord ? On mesurait là-bas en hin, c'est la plus grande mesure de la Torah. Le hin correspond à 12 logs. Donc regardez, le premier avis de Chachamim disait 3 logs, Hillel vient et permet même 4 fois plus d'eau de pluie, soit 12 logs. Et Shammai va nous dire lui, Tisha Kabin, 9 caves. 9 caves, ça veut dire qu'on multiplie par 4, ça va nous faire 36 logs. Donc on a 3, 12, 36. Voilà les 3 mesures de... Chachamim qui va être la halakha, Hillel qui permet un peu plus, de mettre un peu plus d'eau puisée, et Shammai qui permet encore plus que ça, même jusqu'à 24 logs, une quantité beaucoup plus, 36 logs, qui est une quantité beaucoup plus grande donc. D'accord ? Voilà, on a présenté, voilà toute la Mishnah telle qu'elle a été présentée. Maintenant, la Mishnah concrètement, elle va s'exprimer de manière très originale, et on va expliquer les autres Hachem. Hillel Omer, Hillel nous dit, Melo hin maim she'uvin poslin et amigve, une quantité pleine de un hin d'eau, puisé, maïm shiruvin, de l'eau puisée, poslin et amigvé, rend inapte, non cachère, le mikvé. Soit, comme le Bartano nous le précise, l'eau qui tombe à l'intérieur du mikvé avant qu'il atteigne les 40 CA, alors si cette eau puisée tombe, qui est une quantité de 1 hin, comme le Bartano nous dit, 12 log, login,
donc 12 logs qui vont tomber, ça va rendre inapte le mikvé. Maintenant, il y a une phrase un peu bizarre de la Mishnah. On va la laisser, on la lit, on va sans l'expliquer, et puis une fois qu'on a fini la Mishnah, on va revenir dessus. Et là, chez Adam Chayav Lomar Bilshon Rabo, il nous dit, j'ai parlé de cette manière parce que un homme a le devoir de rapporter les paroles de son maître telles qu'elles ont été exprimées. On va expliquer ce qu'il a voulu dire par là. Ensuite, d'abord, on s'intéresse à bien classifier les midotes. Mais Shamay Omer, et Shamay nous dit, non, Tisha Kabin, je permets plus que toi. Tu peux mettre plus d'eau puisée dans le puits, dans le mikvé pour le remplir. Une quantité de Tisha Kabin, 9 caves. 9 caves, donc sont traduits en log, ça fait 9 fois 4, 36 log. Ok. Vachachamim Omer, mais Chachamim viennent et nous disent, Loke divreze, ni comme l'un, ni comme l'autre. Ils ont tous les deux été bien trop permissifs. Il faut réduire la quantité. Et pourquoi? Qui nous a appris qu'il faut réduire la quantité? Regardez. Et la ad shebaushnei gardai gardim mishar ashpot shebirushalayim. C'est le but de ma sechet edouyot, où ils ont installé un bet din, comme on expliquera dans la prochaine Mishnah, dans Tachem. Ils ont installé un bet din et ils ont récolté toutes sortes de témoignages de plusieurs personnes qui venaient témoigner au nom des grands maîtres des générations précédentes. Des halachot clairs qu'ils ont reçus. Le Beit Din s'occupait de bien analyser les témoins, vérifier les propos avancés par chacun, et trancher l'halacha selon ça. Et donc jusqu'à ce que deux gardiim, des gardiim, c'est des gens qui tissent des tissus, donc des tisseurs, je pense que ça doit se dire, jusqu'à qu'ils viennent, ils habitaient où ces tisseurs? Mishar Ashpot Birushalayim, chez Birushalayim, dans le Shahar Ashpot de Yerushalayim, la porte des poubelles de Yerushalayim, c'est son nom apparemment, parce que là-bas il devait y avoir le dépotoir de Yerushalayim. Veheidu, ils ont témoigné, Mishum Shmaya ve'Avtalion. Ils ont témoigné au nom de Shmaya ve'Avtalion, les deux grands maîtres de la génération qui a précédé Hillel ve'Shamay. C'étaient les deux rabbanim de Hillel ve'Shamay, qui étaient deux guérim. Shmaya et Avtalion, c'étaient les grands maîtres de la génération. Et ils ont témoigné quoi? Que Shloshet Lugin Maim Sheuvin Poslinata Mikveh. Trois logs d'eau puisée rendent inapte le Mikveh. Ve'kiimu Chachamim et Divrehem. Et Chachamim ont retenu leurs propos, ont retenu leur halakha, et l'halakha donc était fixée que trois logs, c'est comme ça qu'on est très mahmir, qu'on remplit un mikvé, qu'on ne fasse pas du tout tomber d'eau puisée. Ceux qui ont déjà vu dans les cimetières, lorsqu'on va au cimetière pour un yortzeit, alors on a l'habitude de lire les Mishnayot là-bas, on parle shloshet login maim poslinat mikvé, c'est exactement le même principe qu'on apprend là, comment composer ce log, c'est des Mishnayot de mikvot. Ok? Maintenant, on met le zoom sur deux points. D'abord, on commence avec la fin de la Mishnah, en expliquant le Barthes Noir rapporte qu'on a insisté sur le fait que ce soit deux personnes qui sont venues témoigner comme pour nous apprendre. On a tranché la halakha selon des personnes qui avaient des métiers les plus simples. Gardim, des gens qui tissent le tissu, l'Agma rapporte, et sinon le Tosafot rapporte, c'est des métiers très simples au point où quelque part, des métiers un petit peu méprisants, si on peut dire. Qui étaient des métiers vraiment pas très perfectionnés, quoi. Et ils venaient de quel quartier? Du quartier le plus pauvre. Yéhoshar Ashpot de Yerushalayim, le plus méprisé. Et malgré tout, pour t'apprendre quelque chose d'important, toute personne qui a de la Torah t'enseigner, va et apprends-le. Et tends l'oreille à ce qu'il te dit, parce que même quand tu vois une personne simple, il va peut-être t'apprendre une perle. Et regardez comment ces deux personnes très simples, d'un quartier très simple, sont venues et ont fixé une halakha que les dorés d'Oroth, pour toutes les générations à venir, l'halakha est fixée comme eux. D'accord? Et c'est ce que la Mishnah donc est venue nous apprendre en nous insistant jusqu'à que ces deux tisseurs soient venus de Shahar Ashpot pour nous témoigner, pour nous apprendre que l'halakha est tranchée comme qui a été tranchée l'halakha, parce que sinon, c'est eux qui nous ont apporté cet enseignement. On revient maintenant sur le début de la Mishnah avec le petit zoom sur Shamay, sur Hillel, qui nous a dit « Ela shechayav adam lomar bilshon rabo ». Hillel avait il y a plusieurs interprétations. Pourquoi Hillel? Qu'est-ce que Hillel a voulu dire par cela? Tout d'abord, Hillel, s'il devait, lui, s'en tenir à sa manière de parler, à son parler courant, quotidien, il n'aurait jamais dit un « hin ». C'était une mesure, c'est comme si je vais vous parler en vieux français, latin. On parle en in, on parle en login. D'ailleurs, dans notre moyen mnémotechnique, il n'existe pas le in. Il a été mentionné par la Torah, mais après, depuis, on a évolué, quoi. On continue plus à utiliser des termes pareils. Alors pourquoi Hillel, malgré tout, il a dit un in? Il a dit parce que mon Rav, il s'est exprimé de cette manière, alors je répète. Pourquoi son Rav, maintenant, il s'est exprimé de cette manière?
Alors là, je sais pas, c'est pas précisé. Je crois qu'il y a un gaon qui rallonge sur ça. En tout cas, c'est pas précisé. C'est une première interprétation. En tout cas, Hillel, il savait pas pourquoi, mais il est fidèle au Rav. Le Rav, il a dit Hin, je répète Hin, débrouillez-vous avec. Autre interprétation que le Barthéno rapporte au nom du Rambam, c'est en réalité que non, un Hin, c'était aussi une mesure courante. Il n'avait pas de problème d'utiliser le mot Hin. Le seul problème était que le maître de Hillel, qui était Shmaya, les maîtres qui étaient Shmaya, Bavtalion, comme on a dit que c'était des convertis. Des convertis qui venaient du peuple de Edom. Et alors, c'est comme chez plein de les Français, on remarque qu'ils ont beaucoup de mal, même des fois, même les bons juifs, et que ma chère belle-mère, par exemple, elle a du mal avec. Demandez-lui de dire Achav, car elle va s'étouffer avec. Les lettres gutturales, les chet, resh, hé, ça leur sort pas, ils y arrivent pas du tout. Et donc, Hillel, lui, il répétait, quand il répétait la Mishnah, lui, son rab, il disait un in, au lieu de dire un hin, en insistant sur le he. Il savait pas le dire, son rab. Alors, Hillel, quand il répétait la Mishnah, quelle est la mesure qui remplace le mikvé? Il disait un in, au lieu de dire un hin. D'accord? Dites merci que mon maître n'est pas américain, sinon je vous aurais fait des cours comme ça, parce qu'il va répéter comme mon rab, il parle. Alors, heureusement que mon rab, il est pas américain, comme ça, sinon j'aurais dû être moi aussi fidèle à mon rab et parler à sa manière, selon Hillel, quoi. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est tout, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et Kol Tov Salam.